Allez, il est temps de finir ce deuxième DLC. À toutes les unités, attention, présence d'hostiles armés sur la voie. Des hostiles armés? Plus pour longtemps. Donc, salut tout le monde, c'est Starek, on se retrouve pour le nouvel épisode de Marvel Spider-Man, la vie qui ne dort jamais. Et normalement, je dis bien normalement, on est censé terminer le deuxième DLC avec ce dernier, avec cet épisode-là. Et enchaîner 6 fois après avec un nouvel épisode pour le troisième. Hammerhead doit être au courant du projet d'Yuri. Je dois neutraliser ses snipers et relancer le convoi. Bonne patrouille, mais j'ai un avantage. Voilà, ça devrait débloquer la situation. Spider-Man nous a débarrassé des snipers, en route! Des snipers sur l'itinéraire du convoi? Ça va être un massacre. Il faut absolument que je dégage la route. Oh shit! On va laisser les gangsters d'Hammerhead s'emparer des armes et des technologies stables. Chacun son tour. Il y en aura pour tout le monde, ma petite dame. J'adore les one-shots. Mais qu'est-ce qu'ils ont, tous ces enragés comme Hammerhead qui veulent toujours se battre? Ils ont dû être privés de doudou quand ils étaient gamins. Hein. De fou. De fou. Pourquoi il fallait qu'il passe sous un tunnel? Les hommes d'Hammerhead, comment ils ont-ils? Protégez la technologie sable. Moi je dis qu'ils ont une taupe. Des perforatantes. Ça vous va? Attention, un autre char! Oh non, pas toi! Oh purée! Oui! Cadeau! Et one shot! Ouais, c'est ça. Ferme-la! Ça vaut mieux pour toi. Monsieur Rocket, on se calme et non pas la team Rocket. Voilà. La technologie sable est en sécurité avec la police. À toutes les unités, situation d'urgence près de la propriété du maire. Quelque chose est sorti du sol. On a besoin de renfort, je répète, demande de renfort. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est reparti. Exactement. On dirait que Hammerhead part en guerre contre la police. Et Yuri qui se crève à la tâche. Je sais qu'elle s'inquiète pour ses hommes, mais. Il faut qu'elle apprenne à déléguer un peu. Dit le mec qui ne délègue jamais rien. De fou. Mais là, tu vas un peu quand même. Oh, il y a Miles qui est là quand même. C'est la propriété du maire. Sérieusement, ça vous agace pas? Les travaux vont durer des mois. On va se taper des bouchons monstrueux. Je suis d'accord. Waouh! Vous êtes au courant que la police a la radio? Les embuscades, ça reste pas secret longtemps. Je déteste ce facteur, je l'ai déjà dit ou pas? Mais ils en ont combien de ces perforateurs? Olé! Me péter les dents? Et moi, je vais te refaire la mâchoire inférieure, c'est bon pour toi? Et t'as de la chance, je suis pas Batman. Hey Spider-Man, tu n'oseras pas!
Non. Bien sûr. J'échappe avec la technologie sable. Je peux pas faire ça, Yuri. Je vais arranger ça. Je peux le faire. Hé, l'arrivée ! Surtout, ne perds pas de vue, ok ? Ah, comptez là-dessus ! Comment ça ? J'adore quand un plan se déroule sur ta croix. Moi, Spider-Man. Attendez, c'est ça, votre plan ? Je vais les perdre ! Livraison de Villa ! Moi, je viens de me dire que tout ça, c'était prévu. Corinne, dépêche-toi. Allez, vite. Là, j'avoue que les windsuits auraient été grave utiles, par contre. Allez, go. Allez, vite. C'est bon, je les vois. Wow. Gare à la chute. Hop là. Allez. Yuri, vous tombez bien, j'ai arrêté. Non, ici. Hammerhead voulait vous éloigner et ça a marché. Yuri, revenez, vite. Oh, non. Pour ça, le mec était si confiant. Prévenez les urgences. Dites-leur qu'on amène. Dites-leur à quoi s'attendre. Tout ça, c'était un piège. Pour m'éloigner de la véritable cible d'Hammerhead, il faut que je parle à Yuri. Pourquoi il s'en est pris au commissariat? Je croyais que toutes les affaires de sable avaient changé d'endroit. On dirait que Yuri va bien. Physiquement, en tout cas. Mmh. Je sais qu'il en a vu d'autres, mais on finit tous par quitter. Et ça va tarder à être ton tour, Peter. Dans le 2, du moins. Désolé, Yuri. J'aurais dû être là. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il est allé tout droit sur les caisses marquées Projet Olympus. Et vous savez ce que c'est ? Non, mais maintenant, il l'a. Et on l'aura. Je sais. Vous allez où ? Lui montrer ce que c'est que la peur. Wow. Calmez-vous. Bougez de là, ou je vous fais coffrer. Yuri, on doit collaborer. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Ça va très mal se terminer, tout ça. Franchir les limites. Mais comment j'ai pu me planter à ce point-là ? Le regard qu'avait Yuri. Il faut que je retrouve Hammerhead avant elle. Mais comment ? J'ai plus aucune piste. Peut-être en filtrant la radio de la police sur un mot-clé ? S'il parle d'Hammerhead ou de la Magia. En attendant, je devrais aller faire un tour dans les rues, voir ce que font les hommes d'Hammerhead. Ah ben c'est con, on a tout fini. à part s'il y a Miles qui veut nous parler, je sais pas. Oh, putain, j'ai grimpé la tour Avengers. Alors regardez bien le comportement de Yuri. Hein. Alors, désolé si j'ai un peu parlé pendant quand on faisait les planques d'Hammerhead, pour faire vite fait, c'est que voilà que Yuri en fait elle a un gros passif avec les membres de la Magia et Hammerhead parce que son père collaborait avec eux et du coup elle s'efforce d'arrache-pied pour montrer que voilà quoi, la fille corrompue ça n'existe pas et que je ne suis pas comme mon père. Donc du coup voilà, mais sauf que à force d'avoir cette obsession là, elle va devenir de plus en plus dark. Un peu à la Batman, sauf qu'elle est possible, elle est capable de tuer, quoi. Alors mes amis, je vous préviens, je viens de prendre un cachet. Alors, il semblerait que je dois me rétracter. Ma récente déclaration, ce
selon laquelle je trouvais les idées d'Hammerhead intéressantes, par la mesure où il cherchait à restaurer la décence de notre belle ville, peut avoir été mal interprété. Hammerhead est un assassin violent et au goût vestimentaire douteux, qui, semble-t-il, a dérobé des super armes afin de prendre le contrôle de la ville dans une sorte de coup d'état que personne n'aurait pu voir venir. Et surtout pas Spider-Man, apparemment. Ceci étant dit, je maintiens tout ce que j'ai dit sur les motivations d'Hammerhead. Les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de lâcher leur smartphone, d'arrêter le floss dance. Quoi, j'arrête? Ah, floss dance. Et de trouver un job, comme nous l'avons tous fait à 8 ans pour apprendre à devenir responsable. Mais je pense que nous serons tous d'accord sur le fait que ces méthodes sont condamnables et que les armes et la décence ne font pas bon ménage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que rien de tout cela ne serait arrivé si Spider-Man n'avait pas pointé le bout de sa toile. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais je sais que j'ai raison. Et maintenant, je vais me coucher. Mais va te coucher, alors. Je vais le redire encore une fois, mais regardez ça. Ça, là, en face, là, regardez. Ça, on pourra y aller dans le 2. C'est un truc de fou. Aïe, aïe, aïe. Allez, hop. Bon, je pense que je dois faire une ellipse de... Enfin, une téléportation pour que ça marche mieux. Parce que là, j'ai... Ouais, je pense que ça marchera pas. Alors, du coup, on va se TP. Je sais pas. Allez, ici, hop. Voilà. Alors. Je peux avoir une nouvelle ou pas du tout? Hop. J'ai pas l'impression. Alors, peut-être faut que je relance une partie, peut-être. Ouais. Ou pas. Non. Bon, je vais réessayer. Ah, si, voilà, suffisait de demander. Filtre a détecté quelque chose. Je répète, on peut signaler dans l'établissement d'Amaret. Le bar sans nom. Unité disponible, dirigez-vous vers. Quelqu'un attaque le bar sans nom. Vite, il faut que j'arrive là-bas avant la police si je veux en savoir plus. On se demande qui c'est. Bon, on va se TP. Ça, c'est plus rapide. On perd pas de temps. Allez, on y est. Ok, je suis arrivé avant la police. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. Ça a été... violent. Qui a pu faire ça? Yori? Oh ouais. C'est la première fois que je vois Yori perdre le contrôle. Quoi ça? Spider-Bot? Quoi? J'arrive pas à croire que tu t'en sois sorti, petit gars. C'est un téléphone? Un appel de Vinny? Allô? Gino, qu'est-ce que tu fous? Le flic vient d'attaquer l'entrepôt sur la troisième. La flic? L'autre Watanabe, là. Elle a tout défoncé. Je largue les blessés à l'hôpital Mercy. Et je retrouve l'équipe pour le coup de ce soir. Et t'es prêt pour... Qu'est-ce qu'on fait ce soir déjà? T'as picolé ou quoi? C'est le grand soir. Le boss veut que tout le monde soit au taquet. Alors active-toi et retrouve-nous au point de rendez-vous. Le grand soir? Hammerhead va sûrement s'en prendre aux donnes. Mais comment? Ouais. La seule piste, c'est ce Vinny. J'espère que j'arriverai à l'hôpital Mercy à temps. Par contre, si je dois dire, monsieur Donald Rignou, vous avez un accent italien caliente! Non, je rigole. Yori a dit qu'elle allait lui montrer ce qu'était la peur. Mais sincèrement, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Il y avait quelque chose dans son regard. L'hôpital Mercy. Ok. Je vais tracer tous les téléphones portables utilisés ces 5 dernières minutes. Si notre ami Vinny est encore là, je devrais pouvoir le trouver. Ça capte. Mais je dois me rapprocher pour m'aligner sur le signal de Vinny. Il me reste plus qu'à isoler le signal. Non, c'est pas Vinny. Hop. Allez, Vinny. Allez, Vinny. C'est pas lui. Je vais continuer à chercher.
Allez, faites que ce soit lui. Ah, c'est pas son identifiant. J'ai un bon pressentiment. Non, allez. Ah, il est forcément encore là. J'ai l'impression d'être un espion. Mais... Allez. Oui, c'est lui. Vinny, mon héros. Et voilà Vinny. Je dois rester près de lui. Mais pas trop. D'après Vinny, Hammerhead a prévu une grosse production pour ce soir. Et ça m'étonnerait que ce soit une comédie musicale. Ou une comédie. Ou même musicale. Allez, Vinny, fais quelque chose. Tu es mon seul espoir. Il monte dans une voiture. Mauvaise idée, Vinny. Des places de parking comme celle-là, ça trouve pas les rues. Hammerhead s'est pas manifesté depuis qu'il a kidnappé les Autrodon. Ça doit être en rapport avec eux. Il faut que je tire tout ça au clair et que je retrouve Hammerhead avant que Doris. Intéressant tout ça. Bon, j'aime parce que j'écoute l'histoire et puis je voulais te profiter aussi un peu parce que j'avoue que j'ai à peu près rien à dire. Non, je veux pas faire mon passager relou, mais quand même, intéresse-toi au code de la route, un minimum. Tu es sûr qu'il sait même pas ce que c'est? En même temps, ces Italiens, je vais vous dire. Hein. Non, je déconne, c'est... Je rigole. Ne criez pas dessus. Hein. C'est sûrement là que Vinny devait retrouver le reste de l'équipe. Je devrais les écouter. Ça me permettra d'en savoir plus sur ce fameux grand soir. Ah, on se la joue à Assassin's Creed en plus? Ok, d'accord. Ça tombe bien, je suis en plein dedans en plus. Quand est-ce qu'on va au chantier? Plus tard, le patron veut une lumière d'ambiance. Il adore les mises en scène. Ok, tu me diras si tu croises Gino, hein. Je vais donner rendez-vous ici. La petite soirée des gangsters aura lieu sur un chantier. Ouais, mais lequel? Hammerhead en possède une demi-douzaine. La vengeance de Yuri. Ouh, ça veut dire long tout ça. Ah ouais, j'aimerais trop avoir des infiltrations comme ça aussi. Minute. On va dans l'est ce soir ou on va dans l'ouest? Dans l'ouest, pauvre tâche, suis un peu. Ok, pardon. J'ai une oreille interne détraquée, ça me désoriente. Un chantier dans l'ouest. Ça se précise, mais c'est encore vague. Je dois encore tendre l'oreille. Si t'as l'impression de perdre pied, c'est que je t'ai entoilé. C'est bon, je prends la relève. Merci bien. Écoutez, si on peut enchaîner les snipers, moi ça me dérange pas. Mais il est où, Gino? C'est lui qui doit s'occuper du béton. Le show démarre à 21h pétante. Je vais voir au camion toupie. Ce sera prêt à 21h. Promis. Ça commence à 21h. Je note, mais il me faut une adresse. Ah, là-bas. Mec, c'est le chantier près de la ligne 1 sur la 34e. La G passe même pas à Manhattan. C'est quoi ton problème? Ah, ça va, lâche-moi, je viens du New Jersey. La 1 sur la 34e, ça va? J'ai pigé. Un chantier sur la 34e? C'est Hudson Yards? C'est bon. Hammerhead va s'occuper des donnes ce soir à Hudson Yards. Maintenant, je dois faire en sorte que ces types ne rappliquent pas tout à l'heure. Ça, t'inquiète. On sait faire. Ok, alors... Hop. Attends, je vais te mettre ton copain juste à côté de toi, comme ça, moi, vous pourrez discuter en attendant la police. Voilà, hop. Les dodos. Mon bon vieux Vinny. T'as bien mangé mon pied dans ta gueule. Ouais, là-bas. Hop. Y'a rien ici. Plus bouger. Oh
Ok, le compte est bon. Apparemment, la production a lieu ce soir. Pourquoi j'ai le sentiment que ça va mal tourner? Parce que ça finit toujours comme ça. Ok, place au spectacle. J'espère que j'ai une tenue correcte. Pourquoi mon raid refuse d'être un mafieux normal? Pourrais-je, je sais pas moi, tenir une boîte de transport de déchets? Porter des survêtements, tiens? Je fais de la pizza, magouiller dans son coin? D'où il sort toute cette ambition? Ça doit être la plaque dans sa tête. Possible. Pourvu que j'ai encore de l'avance sur Yuri. Si elle se retrouve nez à nez avec Hammerhead, elle risque de faire une bêtise. Mais elle a déjà fait sa bêtise. Donc ça sert à rien d'espérer, mais bon. On verra bien son traitement aussi dans le 2, parce que je vous rappelle qu'elle va devenir un personnage assez important, qu'on voit même dans le trailer de gameplay de du 2. Mais on va dire qu'elle est sous une autre forme, on va dire. Mais voilà. Donc voilà, et je sais plus si je l'ai expliqué, mais qui est Hammerhead, ben en gros, comme vient de dire... Salut Peter. Oh. Salut Max, ça va? Pourquoi tu me demandes ça? Ah ouais, je t'ai pas encore parlé du Spider Instinct. Je mets ça sur la liste pour la prochaine leçon. Ouais, je vais bien. C'est juste que je suis à l'auto. À l'hôpital? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Y'a quelqu'un qui est venu? Non, rien à voir. En fait, y'a rien, je... j'ai juste sauté d'un pont. T'as quoi? Y'avait un pont... J'ai sauté. Dans le quid. Mais ça va? J'arrive tout de suite. Non, j'ai rien, je t'assure. Enfin, je me suis pété un orteil. Tu savais que ça pouvait pas se soigner? Genre, on te dit, pas de bol, voilà. Nice. Ça va pas de faire ce genre de truc? Bah ouais, je m'en rends compte. Je suis sérieux. T'as peut-être des pouvoirs, mais t'es pas indestructible. Crois-moi, tes pouvoirs... Oh, ça me fait trop bizarre de dire ça. C'est une responsabilité. Tu dois toujours garder ça en tête. Ouais, désolé. Je ferai des efforts. J'en doute pas. Et on se revoit ce week-end pour une nouvelle leçon, ok? Ok, merci Peter. Remets-toi bien, fiston. Au moins on pourra dire qu'il a coûté la petite voix dans sa tête. Mais bon. Du coup Hammerhead, qui est-ce? Ben vous allez voir. Enfin bref, c'est un mafieux qui me perd dans la tête, qui est hyper résistant. Voilà. Cherchez-nous d'ici. Les donne de la matcha. Croyez qui voilà, le nuisible. Juste à temps pour le direct. Le direct? Bonsoir New York, bienvenue dans l'émission de ce soir, la relève de la garde. Qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez l'époque où honneur et loyauté étaient plus que des mots? C'est du ciment! Quand la magia était crainte et respectée, ce soir... Cette époque va faire son grand retour. Allez, au secours! J'aimerais vraiment pouvoir me joindre à vous. Ne bougez pas. Je vous retrouve très vite. Il faut que je m'occupe du type aux commandes de la bétonnière. Ça, c'est le cryo. Allez, go. Oui. Non, faut plus qu'il touche aux commandes. Il faut que j'éloigne ce type de la bétonnière. J'espère que j'ai coiffé Yuri au poteau. Quelqu'un dans la bétonnière. Il donne pour devoir patienter encore un peu. Mon pied. Je suis coincé. Prêt pour la nouvelle New York, petite ménèse. Oui. Oh non, ils ont relancé la bétonnière. Boule de béton. Il risque plus rien, pour le moment. Bam. On peut plus respirer. Venez nous sauver.
pas qu'il s'approche de la bétonnière. Au. Ouf, je l'ai mérité celle-là. C'est bien tout ce qu'il y a. Eh, ça vous dérange pas si j'appelle ça des perfos à tank ? Je l'ai quitté, perfos. Où le pense que les boucliers, c'est top ? Non, bref, c'est... Ah bah non, 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 c'est top. J'essaie en fait de... Encore un perfos à tank ! Je me demande s'ils ont des porte-gobelets là-dedans. Eh, hey, comment t'appelles ça ? Les perfos à tank ? Tu te fous de ma gueule ? Non mais je sais pas, vous savez qu'elle leur donnait un nom aussi ! De fou. Classique. Ok, il en reste très peu. Si je désactive pas la bétonnière, les tonnes vont y passer. Arrêtez de me casser les noises. Bon, j'avoue, j'ai failli passer. La sulfateuse commence sérieusement à me casser les bonbons. Mais t'es sérieux, j'en ai marre. Ah vraiment ils sont supportables. On va mettre ça. Oh, infernal. Non non. La bétonnière est détraquée et on peut plus l'éteindre. Il faut que j'essaie d'entoiler la bétonnière. Pourvu que la nouvelle formule renforce les bottes de miracle. Maintenant, mets-toi le coche la case à l'épreuve du ciment. Hé, hey, vous voulez pas venir nous aider, là ? Surtout, tenez bon, on va vous sortir de là. Les donnes sont en sécurité avec la police. Autour du grand méchant à la tête plate. Bien joué, l'insecte. Tu as gâché ma petite fête. Mais c'est comme ça. Les aléas du direct. Ça te plaît ? Le projet Olympus en action. Je l'ai terminé pendant que tu t'amusais avec les donnes. À la haute couture, c'est vraiment plus que c'était. Je suis désolé, mais le gris métallisé ne va pas autant. Il faudra du temps pour redresser la pègre de cette ville. Avec ça, ma place est garantie. Garantie sur le long terme. Tes pièces, elles sont peut-être garanties, mais toi, t'as pété un plomb. Non. Tu vois, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la communication. La ville ne prend plus la magia au sérieux. Y a plus de respect. Mais quand New York m'aura vu te briser en deux, les choses vont changer. Il est temps de revenir à nos heures de gloire. Si tu le dis. Waouh ! Attends. Voilà.
Au! Purée! Ah, j'appuie sur rond. Putain, je me fais vieux, je suis pas concentré. Oh putain, il enchaîne vite. Ah d'accord. Oh. Faire la peau. Calme-toi, je t'ai dit. Hé, hey, tête d'enclume. Je vais te calmer. Tiens. Au. Wow. Aberration de la nature, c'était peut-être pas une si bonne idée, tu vois. Hé, hey, dis, t'as pas entendu quand je t'ai parlé de long terme? La magia a toujours eu de la patience, mais elle attendra le moment opportun. Yuri. Non, Yuri. Faites pas ça, capitaine. Non. C'est pas bon. Quand on s'est vu l'autre fois, tu m'as parlé de la peur. Comment tu te sens, là? Je suis au top. Elle a franchi la limite qu'il ne fallait pas dépasser. Mais voilà quoi. Un nouveau personnage est né, mais je ne vais pas dire lequel c'est.
même si pour certains qui sont renseignés sauront lequel c'est. Mais je tiens ça en suspens par rapport à Marvel's Spider-Man 2. Bref, allez, on passe au générique de fin pour voir la scène post-crédit. C'est moche pour le capitaine, mais je suis contente que ce pourri soit mort. Qui a dit qu'il était mort ? Un crâne d'acier, montant de verre. Et voilà, c'est terminé le scénario, la guerre des gants, mais l'aventure est continue dans la prochaine campagne, le retour de Silver. Et nous avons débloqué l'Iron Spider, la vraie cette fois-ci, celle qui est vraiment tirée des comics. Celle-ci. Voilà, hop. Celle qui a été créée par Iron Man aussi dans les comics, quand Spidey est devenu un monde des Avengers. Trophée, cette ville et ma famille. Voilà. Tout débloqué, tous les trophées. Tout est nickel chrome. J'ai envie de vous dire. Donc, on peut continuer sur ça. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez passé naturellement ma compagnie. On se retrouve pour de nouvelles épisodes, de nouvelles aventures. Ne vous inquiétez pas, j'enchaîne directement le troisième DLC. Et ensuite, dès que tout sera tourné, ce sera en échelon avant la sortie du 2. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner, c'est la récompense fournie pour le travail. J'emmène les pinceaux, c'est pas grave, je la refais, c'est la récompense pour le travail fourni. Je vous souhaite bonne journée ou soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite bonne bonheur, c'est Slydrek, et ciao tout le monde.